Les marchés avec CMC Markets. Trading de CFD sur actions, Forex et indices. Bonsoir, c'est Seb du site atecac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40 faite en cours de séance le 17 mars 2014 à 20h12. Cette analyse technique est réalisée pour CMC Markets. L'indice parisien qui s'offre un sursaut actuellement quasiment au plus haut de la séance avec une hausse de 60 points par rapport à la clôture précédente. J'ai ajouté sur le graphique les Bollinger, là, la Bollinger inférieure ici en mauve et puis la Bollinger supérieure ici également en mauve. Alors tout ça pour expliquer un phénomène, c'est qu'hier on avait inscrit une bulle ici, c'est-à-dire une bougie entièrement sous la Bollinger inférieure sans contact avec celle-ci. Et généralement cela traduit une exagération baissière et on vient réintégrer ensuite les Bollinger. Le fait de réintégrer les Bollinger ouvre la voie à aller chercher la moyenne mobile à 7 séances. Hein. C'est ce qui se passe de façon statistique. Regardez ici, on avait clôturé sous les Bollinger, on avait réintégré, puis on avait été chercher la moyenne mobile à 7 séances. Donc la voie est ouverte pour aller chercher cette moyenne mobile à 7 séances. Néanmoins, les zones de résistance sont nombreuses, notamment ici, hein, cet ancien support cassé à la baisse qui change de polarité pour devenir résistance. Et également eh bien, le retracement Fibonacci des 38,20% qui se confond avec cette zone de résistance. Retracement de Fibonacci en tenant compte de cette jambe de baisse ici. D'ailleurs, au sujet de l'hésitation à laquelle on se trouve confronté actuellement, je vous rappelle que je vous avais évoqué hein, cette statistique que dans 6 cas sur 10, eh bien, on venait faire un pullback sur le double top, c'est-à-dire voilà le top ici, hein, voilà la ligne de coup, et on vient faire un pullback comme on l'a fait ici pour tester la résistance de la ligne de coup. Alors évidemment, si on clôture de façon significative au-dessus de cette ligne de coup, eh bien ça viendra invalider le double top et donc l'objectif baissier ici, matérialisé en bleu. Hein. Mais si on ne réussit pas à franchir cette ligne de coup, eh bien le double top risque de produire son effet maximal. Hein. Voilà, donc méfiance, hein, derrière cette séance de hausse, on n'est absolument pas sorti d'affaire, puisque de nombreuses résistances nous attendent, et que, si on veut faire simple, hein, eh bien, nous sommes sous une moyenne mobile à 20 séances baissières, autrement dit, nous sommes avec un rebond technique qui s'inscrit dans une tendance de fond baissière. Je rappelle au niveau de la fourchette d'Andrews Mauve qu'on a testé au point près hier, hein, au niveau de sa médiane, qu'on fait des oscillations entre la médiane et la résistance, c'est-à-dire qu'on peut faire comme ça des oscillations à l'intérieur hein, de ce canal rose. Donc on est toujours sous cette pesanteur baissière avec ce croisement fort hein, de moyenne mobile qui a produit d'ores et déjà ses effets. Ce qui laisse penser hein, qu'on est uniquement dans le cadre d'un rebond technique, c'est la mauvaise orientation des indicateurs techniques également, puisque le MACD demeure sous son signal et franchit sa ligne 0, donc ça c'est pas bon du tout, parce que certains traders tradent dans le sens baissier lorsqu'il y a un croisement de signal à la baisse, mais d'autres attendent la confirmation avec la ligne 0 ici. Alors un exemple, hein, vous voyez qu'ici on avait déjà croisé le signal, puis après on avait franchi la ligne 0, on avait continué à baisser. Un autre exemple plus loin, ici, là, on avait croisé la ligne 0, on avait continué à baisser. Donc attention, le fait que le MACD croise sa ligne 0 peut attirer des traders baissiers supplémentaires. Le stochastique est toujours défavorablement orienté, sous son signal et en zone de survente. Le momentum, quant à lui, est négatif, autrement dit, vous l'avez compris, derrière cette belle hausse de 60 points, eh bien, tous les indicateurs techniques sont toujours au rouge et nous sommes toujours en tendance baissière. Alors, soit vous achetez le CAC hein, pour ceux qui veulent trader à la hausse maintenant, en n'oubliant pas donc que vous exposez contre une tendance baissière, contre des résistances très proches, soit vous attendez des niveaux plus bas pour acheter, ces niveaux plus bas sont matérialisés ici, hein, les plus bas donc d'hier, hein, 4182, la médiane de la fourchette Andrews un tout petit peu plus bas, 4178, puis sinon l'objectif baissier du double top ici, hein, 4127 points, les plus patients d'entre vous peuvent éventuellement attendre l'objectif du biseau, à savoir ici hein, vers les 4067 points. Si vous êtes baissier sur l'indice, eh bien, soit vous shortez maintenant en jouant la tendance baissière, hein, c'est-à-dire que vous mettez à profit la hausse
actuelle pour travailler vos positions baissières. Et en plus, là, on est pile poil au contact d'une zone de résistance, donc vous avez un bon point d'entrée. Sinon, si vous voulez être plus prudent, eh bien, au vu de la bougie qui n'a quasiment pas de mèche haute, hein, autrement dit une hausse ininterrompue, eh bien, vous pouvez attendre des niveaux plus hauts pour shorter, c'est-à-dire par exemple la moyenne mobile à 7 séances qui se confond avec le retracement de Fibonacci des 50%, donc la zone des 4307 points. Au-dessus, vous avez un autre retracement Fibonacci 4337 et la M20 4350 points. Voilà, pour résumer cette analyse technique, il est clair que la séance est très belle pour les haussiers. Maintenant, il faut absolument ne pas se leurrer. Cette séance s'inscrit dans une tendance baissière de fond, dans un contexte où nous sommes très proches des résistances et avec des indicateurs techniques défavorablement orientés. Donc, prudence. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Je vous retrouve demain soir pour une nouvelle analyse technique. Bonsoir.